Bonjour, je m'appelle Aurélie Stéphane, je suis doctorante en droit public à l'Université de Nantes et je vais vous faire une brève présentation de mon intervention. Donc, imaginez-vous dans un silo souterrain de 144 étages où vos ancêtres ont dû se réfugier afin de survivre à l'apocalypse qui a rendu l'air irrespirable. Eh bien, c'est l'univers que décrit Hugo Way dans sa trilogie Silo. Vous occupez un poste dans les niveaux intermédiaires du silo, au département d'infotechnologie, donc le DIT, ce qui fait que finalement vous avez que peu de contact avec le bas du silo, où se situent les ouvriers et les machines qui produisent l'énergie du silo, et vous avez en revanche davantage l'occasion de vous rendre en haut du silo, où se trouvent les autorités, afin de contempler l'écran qui relie le silo avec le monde extérieur. Comme les autres habitants du silo, vous respectez ce qui peut s'assimiler à la constitution du silo, le pacte. Écrite par vos ancêtres, cette norme juridique, elle vient régir tous les aspects de votre vie. C'est même à cause d'elle que vous n'avez jamais pu détenir de rat comme animal de compagnie. Pour autant, vous considérez qu'il s'agit là d'un moindre mal parce qu'elle vous préserve de l'extérieur, si bien que vous ne pensez pas à remettre en cause sa légitimité ou sa justesse. Du coup, lorsque votre supérieur, donc le directeur du DIT, vous demande d'être son apprenti, son ombre, vous ne vous attendiez pas à ce qu'il vous a révélé ensuite. Qu'en fait, le pacte ne constitue pas le seul droit, qu'il est accompagné de ce que l'on appelle l'ordre, un texte qui est inconnu de tous, à part du directeur du DIT, et bien sûr maintenant, de vous. Et puis, vous apprenez aussi que votre silo n'est pas unique, et qu'il y en aurait même 50 répartis dans ce qui apparemment s'appelait jadis l'État de Géorgie. Le silo 1 dirige tous les autres, à travers son seul contact dans chaque silo, le directeur du DIT, ce qui en fait le véritable détenteur du pouvoir. Si vous aviez connu le monde avant, vous auriez probablement reconnu là un lien féodal de vassal à seigneur. Toujours est-il que toutes vos convictions se sont effondrées en quelques instants. Vous n'êtes plus très sûr de vouloir accepter ce que l'on vous impose. Et si l'on vous mentait aussi sur la toxicité du dehors, n'avez-vous pas le devoir de prévenir votre silo? Tous les silos, en fait, vous hésitez. Vous savez que le pacte interdit d'exprimer votre envie de sortir ou de partager vos doutes. Allez-vous vous rebeller aveuglément? Vous devriez alors faire face à la sévérité du pacte, qui ne connaît guère de gradation des réponses pénales. Vous seriez condamné au nettoyage, qui est en fait une peine de mort. Et puis, comment prévenir d'autres personnes? Le silo 1 a tout prévu, en réduisant les moyens de communication et en vous surveillant constamment. Quel dilemme! Pour connaître toutes les facettes de cette situation angoissante et prendre une décision éclairée, venez assister au colloque les 8 et 9 décembre à Paris, Dystopie et droit, où nous nous demanderons notamment si le droit vient d'en haut dans cette société verticale.